Balinga kapona mbuzwite Balinga kapona bizalini Yango na bengi omuninga Nali solo ya bolingo Maloba ezalaka na nguya Oyo etondi motemae Suka sembebo ebimisa Kozala na moninga malamu Ezali bozu na tanga fasi Moto ya kosunga kaya Soki mpasi ekomi Na motema na lapinda ye Mpona yo na kosala nyoso Ekoki na moto kosala Olandisi motema na ngai ye Yesue 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 Yo moninga malamu Yesue 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 Yo moninga malamu Obekisa makambo etungisa ngai Po mobembo yanga na yo Esalema na kimia Tolesa na mbuma bolingo Napesa yo masanjoli Okitisa nkembo na yo Nabika katina yo Ona yeba yo na onzino Na utina bapota deception mukili Na zana luna seya emotion Muno kolangeza na nukilo Molimo ekolisa nga masanjoli Na kokaka kufanda kimya te Soki batangi kombo na Yesu Mutema epininga moto Osana fuka mana sanjola Yesu 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 Yo moninga malamu Yesu 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 Yo moninga malamu Nazana nwelenge na bolingo Na ebiko ninga te Ola mwisi motema nanga ye Yesu moninga malamu Nabenga yo na kombo nini Nabenga yo papa na bana Fololo ya motema ye Yesu eninga motema ye Yesu e Yesu e Yesu e Yesu 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 Yo moninga malamu Obekisa makambo etungisa ngai Po mobembo yanga na yo Esalema na kimya Tolesa na mbuma bolingo Napesa yo masanjoli Okitisa nkembo na yo Nabika katina yo Ona eba yo na mozino Na utina baputa deception mukili Nazana luna seya emotion Moloko nangeza na nukilo Molimo yoko lisanga masanjuli Na kukaka kufanda kimya te Soki batangi kombo na yesu Motema epininga moto Osana fuka mana sanjula Yesu 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 Yo moninga malamu Yesu 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 Yo moninga malamu Yes, moninga ya motema Yes,
na mukiri ya sate una kasi na yo masiro kolombi mote maso Yesu ya mote maso Yesu ya mabazo Yesu ya mwini mwango na pesa yu nini masiro weka ya gomo yasa Yesu mwinga mwazo Yesu moninga nangalo Moninga malamwe Moninga ya tangonyo Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Est-ce qu'on peut lancer des cris de joie à l'honneur de notre Dieu? Est-ce qu'il est digne de gloire? auprès du Père. Rendons-nous compte que chacun de nous a un jour nous partirons. Aujourd'hui, pensons à ces gens-là qui nous ont précédés. Prions pour eux. Que pendant notre prière, que ces dieux d'amour et de miséricorde aient pitié d'eux, qu'ils voient la félicité éternelle. Avant toute chose, nous sommes des simples pécheurs. Demandons pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne. Utu rumie,
pas ce que tu es pour les tiens. Un père qui m'a pardonné. Un ami qui me ferme jamais. Jean Moukouba. Et récemment, Jeannette Mouka Kamla. Nos frères et sœurs que tu viens d'appeler auprès de toi. Tant qu'ils ont vécu au milieu de nous, tu as été leur espérance et leur foi. Maintenant, reçois-les dans ta maison, à la place que tu as préparée, pour leur tes bras et donne-leur le bonheur que rien ne peut détruire. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Chapitre 3, verset 20. Chapitre 4, premier verset. Frères, nous sommes citoyens des cieux. C'est à ce titre que nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus. Lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance qui le rend capable aussi de tout dominer. Ainsi, mes frères bien-aimés, que je désire tant revoir, vous ma joie et ma récompense, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Ma lumière est mon salut. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Il est écrit. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient prévoyantes. Les insensés avaient pris leurs lampes sans apporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des huiles à réserve. Comme le plus tardait, elles se surprit tous les dormir. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. Voici l'époux sortait à sa rencontre. Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et prirent leurs lampes. Les insensés demandèrent aux prévoyantes, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les bras leur répondirent. Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt en la procurer chez les marchands. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces pour fermer la porte. Plus tard, les cinq autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et disent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il répondit, « Amen, je vous l'ai dit, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, petites jeunes filles, mes frères et sœurs, la mort est un passage de l'esclavage vers la liberté. Nous ne sommes pas encore libres. Si autant nous sommes tous ici comme ça, nous ne sommes pas encore libres. Nous serons libres quand nous partons de ce monde. La vraie liberté, c'est la rencontre avec Dieu. Et Dieu ne fait pas de rencontres avec des esclaves. Dieu fait sa rencontre avec des gens libres. Rappelez-vous, ces peuples hébreux en Égypte étant esclaves. Pendant tout le temps qu'ils étaient esclaves, Dieu n'avait jamais fait d'alliance avec ces peuples-là. Non.
parmi ces peuples-là, parmi les Juifs, les Hébreux qui étaient en Égypte, il y avait un seul qui était libre, c'était Moïse. Parce que Moïse a grandi au palais royal chez Pharaon. Moïse est connu comme un prince, il était libre. Et c'est Dieu, vous voyez, Moïse n'était pas le plus intelligent des Hébreux, non, hein? Non. Même le plus fort, non. Mais le plus libre. Et c'est comme ça que Dieu va prendre contact avec Moïse. Il va sortir mon peuple. Et pendant tout le temps, le peuple était en Égypte, il n'y avait pas d'alliance entre ces dieux-là et ce peuple-là. Mais quand c'est pas sur l'Égypte, dans la mer rouge, dans le désert, il est libre, n'est-ce pas? Dieu prend contact et c'est ça l'alliance des Sinaï qui commence. Et nous, êtres humains, voilà ces 10 jeunes filles. 5 étaient libres et 5 autres n'étaient pas libres. Celles qui étaient libres avaient avec des huiles. Quand l'époux est arrivé, elle avait des problèmes. Leur liberté a permis qu'elle puisse rencontrer l'époux. Et les 5 qui étaient esclaves parce qu'ils manquaient d'huile. Voilà l'esclavage, le manque d'huile. Ça fait qu'elles ont raté la rencontre avec l'époux. Et nous, quelle est notre huile pour nous sommes libres? Notre huile pour être libre, c'est notre foi en Dieu. C'est notre amour mutuel, notre amour fraternel. Aimez-vous les uns les autres, n'est-ce pas? Pour que le monde sache que vous êtes mes disciples, c'est par l'amour entre vous. Voilà cet amour entre nous, nous donne la liberté. Et c'est le bienfait que nous pouvons rencontrer Dieu. C'est le bienfait qu'après la mort devient ce passage vers cette liberté, la rencontre avec nous là. De cette rencontre-là. Et nous prions Dieu tous les jours pour cette rencontre un jour avec lui, face à face, dans la liberté, dans la joie. Mais si nous sommes esclaves, nous manquons d'huile, comme c'est dit, 5 jeunes filles imprévoyantes, insensées, qui ont raté de voir les coups à cause d'huile. La petite prière manque de liberté. Militons pour nos frères et ceux qui sont partis à cette liberté. Que Dieu soit le pour la plus. C'est son œuvre, n'est-ce pas? C'est pour la création. Alors voilà, et nous militons pour la liberté, nous prions pour être libres, pour que notre rencontre avec ces dieux-là soit la liberté, comme ces 5 jeunes filles qui étaient libres, qui ont pu rencontrer les prix. Montons nos prières pour nos frères et ceux qui ont précédé dans la foi. Qu'est-ce que l'amour et la miséricorde du Seigneur qui voit la vie éternelle? Louez soit Jésus-Christ. Maintenant, vous commencez à payer d'abord les intentions de Messe pour qu'on continue à prier pour eux. D'abord, pas la quête, hein? Comment ça dit? Vous comprenez ce que je dis? Oui. Je dis quoi? D'abord, les intentions de messe, quand tu vois qu'on doit prier pour. Accepte Seigneur l'offrande que nous te présentons pour tes serviteurs. Et qu'ils soient accueillis dans la gloire du ciel avec Jésus ton Fils bien-aimé, à qui nous pouvons maintenant venir en célébrant le mystère de son amour. Mais qui vit et règne pour des siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire.
et t'offrir notre action de grâce et toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel tout puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui seul, en acceptant la mort, nous arrache la loi de la mort. Lui seul, en donnant sa vie, nous fait vivre éternellement pour toi. Avec tous les saints du ciel, nous pouvons maintenant te rendre grâce en chantant d'une seule voix. Saint, Saint le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Saint, Saint le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Les cieux et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'après nous, les enfants qui restent puissent penser à nous dans leur prière. Que si Dieu d'amour et de miséricorde ait pitié d'eux, qu'ils voient la fille éternelle. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Pour moi d'être élevé, et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit, le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, la rémission du péché. Vous ferez cela à mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Présente ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir à ta présence. Humblement, nous demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur. Et ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, des constats, Dengela, Nyango, Jean Mukuba, Jeannette Mkangalula, que tu as rappelé auprès de toi, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, à ton de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi, nos frères, qui se sont endormis dans l'espérant de la résurrection. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, mais sur la terre, nous aurons les toi. Que nous tous enfin nous implorons ta bonté, jamais qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, c'est de son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et nous chantons ta louange par Jésus ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Il est dans l'esprit pour dire avec confiance la paix que nous avons reçue du Sauveur, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne monte et soit fait sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain, notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
On va vous demander de rester sur place le temps que le protocole se mette en place. Donc un peu de patience et rester sur place. Merci. Yeah.
Jeannette. Voilà. Alors, si nous sommes réunis ici cet après-midi, c'est par rapport à ces obsèques. D'abord, je me présente.
Je suis M. Ngibia Bébé Boakala et Papi. Je suis le mari de sa fille qui répond au nom de Bibi Chimanzi Lamoudir, qui est mon épouse. Donc, maman est décédée depuis le 27 avril dernier. Et la mauvaise nouvelle nous est parvenue ici par la voie du téléphone, comme le frère nous appelle de l'autre côté. Et aujourd'hui, c'est ces obsèques qui s'est passé aujourd'hui, même au Congo. Et nous aussi, en tant que ses enfants, qui sommes aussi au Cameroun, on ne pouvait pas rester comme ça. Nous aussi, on a pleuré notre maman à notre façon. Comme vous avez constaté avec beaucoup d'amis, les frères du Cameroun, des Congolais, des Congolaises, qui sont venus ici pour nous soutenir en cela. Alors, je vais vous faire une petite présentation. Sur cette photo que vous voyez, il y a d'abord mon beau-frère Patrick, qui est l'aîné de la famille. Il y a aussi Didier, le deuxième de la famille, et mon épouse, maman Bibiche, troisième. Et là, c'est sa petite sœur Karine, qui vient en quatrième position. Et nous avons Freddy. Et il y a aussi Fabrice. Et nous avons la dernière qui répond au nom de Merveille. Vraiment, cette situation de malheur qui nous a frappé, ça fait très mal de perdre une belle-mère que tu n'as pas eu la chance, moi personnellement je n'ai pas eu la chance de la côtoyer, de vivre voir comme ça. J'ai rencontré mon épouse qui est sa fille en 2005 ici au Cameroun et précisément à Yaoundé. Quand elle est venue, nous sommes rencontrés et on s'est mis ensemble et on s'est mariés en 2007. Et sur cette union-là, nous avons eu deux enfants. Il y a ma fille Josepha Ngibia, il y a aussi Giovanni Yaboua, qui sont nos deux filles. Alors, la date d'aujourd'hui, le 8 mai 2021, c'était une date pour moi que j'avais préparée avec ma famille pour aller faire ce qu'on appelle toquer la porte au Congo. J'avais arrêté ces dates avec ma famille et sa famille. Même la défunte, ma belle-mère, connaissait ce programme-là. Mais aujourd'hui, le route s'est transformé en l'art. Donc la date du 8, on ne va jamais oublier ça dans nos mémoires. Mais quand le Dieu donne et le Dieu récupère encore, on n'a pas le choix pour cela. Donc on est là seulement pour soumettre à la volonté des Tout-Puissants. Alors, je vais m'expliquer un peu à Lingala aussi, pour une bonne compréhension. Et ça, Lingala, il passe Bandeko. Pona koko kubungisa mama bokelo na ngai natikala jamais kokutana naye tosololaka na téléphone. Mais à chaque fois que mama aza na problème à santé, moi si nanga soka ebisi ngai, tozalaki na opportunité ya kosungaka ye pona na niveau à l'hôpital. Mais lelo mama akei atiki biso bana tiki esali biso passe tikali na passe. Mais les Kambote, Nicolo Azali, la preuve en est que Talambou les Betty Lelo, les Betty Mingi, mais Ezali pour Sukola Maya mis son abiso. Donc, Tokoki Kobo Sana Mamate, Mama Kei, Ezali de Mama Kende, Kobong Selabiso Isika, parce que Liwa, Ezali, Moutouyon Sakuleka Pawan. On a Pessi Babo Fren Angayon surtout, Kambote. Les ambassades à la Bissau, les à la Fédine à Londres, les à la Didier, les places à Zali, la province orientale, de éviter ce qui est à Zuisango. Mais, les à Obazan à Bandundu, les à la Banoko Robert, les à la Papane qui, Jérémy Manzi, la Batouillon, surtout, il y a fallu le petit Bango, Mbote, les Zali, à Cameroun, les Gaïn à Zali, voilà, pour protéger Bibiche. Nabana, je crois que Zambata. Venez les filles. Donc, nous faisons mon avant.
c'est Giovanni. Il y a Boto Bepa. Et là, c'est Josepha. Et le bien bébé. Dans la banane à Bissot. Pour le Doti. Ma bibiche. Et ça passe. Et donc, sa maman. La passe d'abord un. Et puis cette nuit, papa, pour faire des bébés, nous en deux. Dans la lélo, maman perdit le bisou. La passe, mais les camoufles. Alors là, je vais passer la parole à Josepha dédier quelque chose pour sa grand-mère qui est partie. Et voilà, elles n'ont pas eu la chance de voir leur grand-mère. Mais bon, on ne peut rien faire, c'est la volonté de Tout-Puissant. Donc c'est ça. Josepha, tu peux dire quelque chose. Je voudrais dire que notre grand-mère, on ne l'a jamais vue. Mais comme elle est partie, c'est la volonté de Dieu. Et j'aimerais dire aussi que nous, même si nous ne sommes pas avec elle, nous l'aimons très fort. Que Dieu vraiment l'accompagne vraiment jusqu'à son cieux, son nom. Nous sommes vraiment tristes, mais ça va. Nous l'aimons beaucoup. Merci. Voilà, donc là, c'est la petite Giovanni. Et on va la passer la parole. On va dire quand même ne fût-ce que quelques mots pour grand-mère qui est partie. Donc Giovanni, alors, qu'est-ce que tu peux dire pour grand-mère qui est partie? Elle est décédée et c'est aujourd'hui qu'on l'a enterrée. Alors, je sais que tu l'aimes beaucoup, n'est-ce pas? Tu dis quelque chose pour grand-mère qui est partie pour que son âme se repose en paix. Hein? Voilà. On ne l'a jamais vu, mais elle reste toujours notre grand-mère. Et elle aussi nous manque très beaucoup. Et que Dieu la garde, elle, on la protège. Je sais que j'avais à dire. Voilà. Vous comprenez que Giovanni a tellement d'émotions qu'elle n'arrive pas vraiment à sortir des mots. Parce qu'elle est tellement émotionnée. Bon. Ça arrive comme ça, que le Dieu garde l'âme de ma belle-mère qui est leur grand-mère. Et on continue à saluer tout le monde. Tout s'est très bien passé. Et maman Bibiche, tu peux venir nous rejoindre. Donc, voilà, alors. Oui, ça fait partie de l'ambiance de la fête. Donc, comme vous voyez. Mon épouse est là, moi-même je suis là et je me vois avec Giovanni. Donc on vous salue beaucoup. Et on continue toujours à remercier tout ce qui nous a aidé dans cette difficulté, dans cette douleur. Mais bon, voilà, c'est ça. Moi, je... Tu as déjà tout dit. Même dans la douleur, on remercie toujours les proches. Il y a toujours un moment, même dans la douleur, qu'on rit. C'est une chose qui arrive, ce n'est pas du tout. Elle est partie. Je souhaite qu'elle repose. Et que nous qui sommes restés, que nous puissions continuer aussi notre vie. Jusqu'à ce que ça va s'achever, parce que c'est le chemin de tout le monde. Merci. Ok, bon. Nous allons
rencontrer tout à l'heure, parce que là où nous sommes gardés aussi par une famille camerounaise qui nous ont accueillis ici, et surtout là où nous habitons, ça fait presque 8 ans aujourd'hui. Vous allez aussi voir les mamans qui nous ont accueillis, qui nous gardent ici, qui ont participé aussi à cette douleur, à cette malheur qui nous a frappé. Donc, à tout à l'heure. Merci. Voilà. Donc, Wana, Outi Kokota, Awanandaku, Ezali, Esika Oyo, maman, na papa, Kolonda, Konabiso, Bavandaka, Esika, Tsitofutela. Donc, nous avons besoin de nous faire une présentation. Et puis, bah, on peut pas au parce que depuis Tovani Awa, et ça dit déjà un peu la Mouambe. Tovani Awa, il y a un biso bien, sans problème, et le copain a ma bézate. Parce que les parents ont un biso, on va battre la cabiso, on va consoler la cabiso. Ce qui est problème, les alliés, ce qui est comme les alliés. On gagne dans la communauté Nandaou, mais il biche une pratique à la Nandaou, et puis en collaboration. Na ba papa na ba mama oyo bozomona na bibili na bino donc na kosala bino ka présentation bango pe ba kolobela ko moko pona matanga oyo ndenge buti koleka donc là dans le DJ je suis ici dans la grande famille dans la grande maison de papa Tela avec maman Paulette qui nous ont hébergés ici parce que c'est ici que nous restons donc là c'est papa Tela Jean qui est là, que vous voyez sur votre petit écran. Et là-bas, de l'autre côté, nous avons maman Paulette, qui est l'épouse de papa Tela Jean. Et ici, nous avons maman Régine. C'est maman Régine qui nous a amenés dans ce quartier, là où nous habitons ici, à Essoba. Donc, c'est une maman pour nous, c'est une grande maman. Et à côté, c'est sa cousine, qui est venue, sa petite sœur, pardon, vous allez m'excuser, qui est venue aussi être avec nous dans le moment de douleur, partager avec nous. Alors, comme vous voyez aussi, il y a des petites filles qui sont là, des petits enfants qui sont les petites filles. Donc, nous avons Anaïs, c'est Anaïs ici, qui est là, l'ami de Giovanni et de Josepha. Et il y a aussi Lucas, donc Lucas, voilà, ce sont les amis de Giovanni. Alors, et juste derrière le caméraman, nous avons Franck, qui est le fils de papa Tela Jean et de maman Paula. Et c'est grâce à Franck que vous avez suivi tous les sonos qu'il a joué tout à l'heure. Donc la bonne musique, bonne compilation. Et tout ce qui s'est passé, c'est lui qui a élaboré ça. Vraiment, je suis content d'être dans cette famille. Ça fait 8 ans, vous savez, rester quelque part 8 ans, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, papa Tela, papa Jean, est-ce que vous dites quelque chose à l'endroit de la famille Manzila, qui est la famille de ma belle famille, pour que quand les images se vont arriver, on va comprendre que nous sommes parmi les gens aussi. Voilà. Donc, merci bien, mon fils. Merci. Vous savez, être enfant de quelqu'un, ce n'est pas celui qui est sorti dans le même ventre. Nous vivons ici, on ne peut pas distinguer. On ne peut pas dire que tel est venu d'ailleurs, tel est venu d'ailleurs. Nous avons formé une famille. Quand quelqu'un rentre ici, toque la barrière et il entre, il sait que je suis le chef de famille, tout le reste là, c'est mes enfants. Donc, on dit à quelque chose, malheur est bon. Et c'est une grâce. Il est bien vrai qu'on perd, ça fait mal. C'est une grâce qu'on perd, qu'on enterre l'aîné. Mais quelque part, ça va faire mal, comme tu comprends, c'est notre belle-mère, ta belle-mère. Il y avait beaucoup de trucs à faire, mais elle a anticipé, elle est partie. Donc, je n'ai pas beaucoup à dire. Je reviens encore au mot où je viens de parler. Que l'enfant de quelqu'un n'est pas celui qui est sorti dans le même ventre. Et nous avons constitué une famille. Oh, j'aurai l'occasion d'arriver aussi à Congo. J'ai tellement aussi voyagé que à Bandou. Voilà, à Bandou. J'ai arrivé là-bas et je vais embrasser cette famille.
que j'ai constitué ici. Amen. Merci. La famille Mandela. Oui, la famille Mandela. 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 Oh, oui, Mandela, vraiment. Que j'adore beaucoup. Okay. Malgré le malheur. Voilà. Merci. Ok. Donc, alors là, nous avons Maman Paulette qui a aussi un mot à dire pour la grande famille Mandela. Je vous en prie, Maman. Je vous salue tous. Chez nous, on dit quand l'homme parle déjà, la femme n'a plus grand-chose à dire. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est ne vous inquiétez pas, vos enfants sont entre les bonnes mains. Merci. Comme papy vient de dire, ça fait 8 ans que nous sommes ensemble. Il n'y a jamais eu de problème. Ça fait quelques mois, nous avons perdu la mère adoptive de Bibi. Ça s'est passé pareil. Cette fois-ci, c'est sa mère natale. Donc, je vous souhaite mes condoléances et que ne vous inquiétez pas, ils sont entre les bonnes mains. Et que vous saluez aussi toute la grande famille là. C'est tout. Merci. Alors, donc, voilà. Là, maintenant, je veux vous passer la parole. Je veux passer la parole à Maman Régine, la maman que j'ai dit tout à l'heure, que c'est grâce à elle qu'on a connu Papa Gela et Maman Paulette, là où nous restons. Parce que c'est elle qui nous a amenés ici. Donc là, Maman Régine, vous avez la parole, s'il vous plaît. Vous allez en dire là, juste un petit mot, pour dire quelque chose de votre part. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Vraiment. Papy et Bibi, elles sont entre l'autre monde. Donc ne vous inquiétez de rien. Mes deux fils là, fils et fille. Je n'ai plus beaucoup à dire. Awa, nous allons présenter mon cousin Angai comme on a un monde. Mondo a salué cousin Angai direct aux Anaï Awa Bisomi Balé. Normalement, il fallait que mon Karine, que mon appel Rose. Mais bon, Rose, pour une occupation professionnelle, a été l'élo, mais l'eau est à la Kinabiso. Et Karine a outil Kokene, juste après l'événement, nous sommes l'équipe bien, mais bon, le quoi tout ça, l'interview, il y a assez acquis déjà. Mais Mondo, il y a Azali, tout ça, n'a pas. Donc, des moukoko british. Ce qui n'a pas vu, Mondo, il y a. Donc, coordination. Pour Kabola Masanga, pour Kabola Baji, Batonion Soba Lié, Batonion Soba Meli, grâce à Mondo. Donc, Yohana, n'a pas passé deux paroles, après sa famille Mandila. Naebi que Sika, famille Mandila Zali, beaucoup soapé, salutations nae, n'a pas condoléances nae, pour na maman, oh maman Boutou, n'a biso, maman Jeannette Akio. Oui, merci Mingi, famille Mandila, à Bokilo Nabiso. Tant que tu sois qui s'engagera maman, mais moi, et puis ça qui, moi, me bat ma casse, la carte à Ribota. Mais dans le Zambé, tu salis ma effort, tu as surtout tout Kabola Mawa, et l'on a bien au Kuna. Mais Zambé Sali, Kaboli Mawa, Nandinga Malamu, comme nous sommes à Awa et Nandinga Kimia, nous sommes sous la. Mais n'a pas vraiment condoléances et puis du courage parce que ça nous donc ça na donc sunga et puis merci beaucoup merci date à l'élo ezala qui date où il fallait famille nangai qui ne beaucoup tanana famille à Bibiche, dans le bac en haut déjà. Mais, le col en Zambé, dès que le bac en Mokili, Mouta Koukana, mais Zambé, à Souki Saka. Oh, et Salemi, Bokani Satege, le col est Salika Aboué, papier à Bosanité. Tout fondi, maman Lelo, mais lobby, n'a pas banda pour Bongama, on en a honoré moi Sinangaï. Na ko sala yango déjà tata mwasi na nga lave
akendaki kokutana papa leki Jérémy na Kimbansek. Wana ezala ki rencontre moko préliminaire na cadre ya rendez-vous ya lelo le 8. Mais a avorté di kolo ya décès ya maman Jeannette ndenga tikibiso. Mais na kosala nyonso tout bakokende kokutana na famille. Ndenge boyokaki ndenge na bengaki bino kuna na averti bokanisa te ke non esukika wana te na kosala tout tokokinda étape par étape ti toko na honoré moi ce même attend o etali makambo ya kosala tombe ya mama bokilo na ngai ngai moko pe na kotia maboko tokosala la mama tombe moko bien ezala ke un jour ce qui te zongi kuna na mboka pour permettre biso tout qui n'a pas rendu belle sous hommage n'a pas coco naé au moment à savoir Josepha na Giovanni. Donc voilà au nazala kinango on a pour ceux qui sayangouana vraiment tout petit bâton son merci vous baye pour assister biso na opé l'équipe kuna na mboka tout moni ango à travers ba image batinde biso awa vraiment pour loi sur le coup. Donc voilà on a eu un bon salut, merci. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? On peut lancer des cris de joie à l'honneur de notre Dieu.